La fin d'année approche et c'est le moment idéal pour réfléchir à vos stratégies fiscales. Malheureusement, les niches fiscales sont nombreuses et il est très facile de s'y perdre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment des solutions simples et accessibles peuvent vous permettre d'alléger votre fiscalité dès maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel des bases pour bien comprendre comment fonctionne la défiscalisation. Pour défiscaliser, on va pouvoir jouer sur deux leviers. Le premier, c'est le revenu soumis à imposition et le deuxième, c'est le montant de l'impôt lui-même. Dans le premier cas, on économise à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Pour rappel, le calcul de l'impôt est soumis à un barème progressif qui s'étend de 0 à 45%. Si on prend l'exemple d'un célibataire qui déclare un revenu imposable de 50 000 euros, il va payer un impôt de l'ordre de 6 700 euros. Une partie de ses revenus n'est pas fiscalisée, une autre partie est imposée à hauteur de 11% et une autre partie est imposée à hauteur de 30%. La tranche marginale d'imposition est donc la tranche la plus haute dans laquelle le contribuable est imposé. Autrement dit, pour chaque euro supplémentaire dans cette tranche à 30%, c'est 30 centimes qui part en impôt. Dans le deuxième cas, on vient réduire le montant de l'impôt lui-même. Autrement dit, le gain est lié au taux de réduction offert par la solution d'investissement. Si vous investissez 10 000 euros dans un dispositif de défiscalisation avec un taux de réduction à 20%, c'est 2 000 euros que vous allez pouvoir déduire de votre impôt sur le revenu. Concernant ces réductions d'impôts, ayez toujours à l'esprit qu'il y a une limite à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle le plafonnement des avantages fiscaux. Ce plafonnement global limite la somme des avantages que vous pouvez percevoir à 10 000 euros. Toutefois, on va le voir dans cette vidéo, mais il existe des solutions qui vous permettent de dépasser ce montant. Maintenant qu'on a les bases, on va voir comment on peut défiscaliser avant la fin de cette année 2024. L'idée n'est pas de balayer toutes les solutions existantes car il y en a des centaines, mais de se concentrer sur celles qui vous permettent de défiscaliser tout en développant votre patrimoine. Dans un premier temps, concentrons-nous sur les solutions de déduction. Autrement dit, on va venir diminuer le revenu imposable. Une des solutions que vous connaissez sûrement, c'est le plan d'épargne retraite. Par définition, c'est une solution qui est bloquée jusqu'à la retraite. C'est une enveloppe patrimoniale de long terme pour épargner tout au long de votre carrière. À terme, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un complément de retraite sous forme de capital ou de rente. C'est le gros point fort de ce dispositif par rapport aux anciens, c'est qu'il vous permet de sortir aujourd'hui à 100% en capital. D'ailleurs, pensez-y, mais ce nouveau plan d'épargne retraite vous permet de centraliser au sein d'un seul et même contrat l'ensemble de vos contrats retraite que vous pourriez détenir à l'extérieur. Mais concrètement, au niveau fiscal, comment ça marche? L'idée, c'est que les versements que vous allez pouvoir faire sur ce contrat sont déductibles de votre revenu imposable. Autrement dit, si votre tranche marginale d'imposition, comme on l'a vu tout à l'heure, est de 30%, un versement de 1000 euros vous permettra d'économiser 300 euros d'impôt. Mais vous vous posez certainement une question, quel montant je peux verser sur ce contrat? En réalité, les versements sont illimités. Mais attention, pour bénéficier pleinement de cette efficacité fiscale, il faut bien penser à vérifier ces plafonds d'épargne retraite. Pour retrouver ce montant, prenez votre avis d'imposition et rendez-vous à la toute fin. Vous allez trouver un encart qui s'appelle plafond épargne retraite avec le montant que vous allez pouvoir cotiser sur l'année 2024. Au-dessus de ce montant, les versements n'auront plus aucune utilité fiscale. Pour les travailleurs non salariés, sachez que vous avez un deuxième plafond que vous pouvez utiliser. C'est un levier non négligeable pour préparer votre retraite et faire des économies fiscales. Parmi les autres solutions de déduction, vous pouvez aussi retrouver le déficit foncier. Autrement dit, vous faites un investissement dans un bien immobilier qui a besoin de travaux. Ces travaux vont venir en déduction des revenus fonciers perçus. Et au-delà, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 10 700 euros sur votre revenu global. Et là, c'est le même principe, vous économisez à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Sachez qu'on a fait une vidéo très complète sur le déficit foncier que vous pouvez retrouver juste ici ou sur notre chaîne YouTube. Passons aux solutions de réduction d'impôt et ici, on va vraiment réduire le montant de l'impôt lui-même. On va parler ici d'abord de Gérardin Industriel. C'est une solution de défiscalisation très efficace, souple et accessible même pour des montants d'impôts raisonnables. En effet, c'est la seule solution qui vous permet de gommer un impôt supérieur au montant investi. Un dispositif peu connu du grand public, mais dont la première loi date du milieu des années 80 et qui a ensuite été revue dans les années 2000. L'idée, favoriser l'investissement en outre-mer pour compenser les surcoûts liés à l'éloignement géographique. Comment ça fonctionne? C'est une solution one shot. Autrement dit, vous investissez cette année pour une réduction d'impôt perçue l'année prochaine. Aujourd'hui, les taux de réduction sur ce type d'investissement tournent autour de 110 à 140%. Autrement dit, si vous investissez 10 000 euros aujourd'hui, vous allez pouvoir percevoir une réduction d'impôt l'année prochaine de l'ordre de 11 000 à 14 000 euros. Et pour en revenir au plafonnement global des niches fiscales, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des solutions qui vous permettaient de dépasser ce plafond de 10 000 euros. Eh bien, sachez que pour les
les investissements réalisés en outre-mer, le plafond n'est pas de 10 000 euros, mais de 10 000 euros plus 8 000 euros. Autrement dit, un plafond global de 18 000 euros. Mais sachez toutefois qu'on peut aller gommer jusqu'à 52 000 euros d'impôts. Autre solution qui peut vous permettre de réduire le montant de votre impôt, c'est l'investissement dans les groupements fonciers forestiers ou les groupements fonciers viticoles. L'objectif, c'est d'améliorer et de conserver les massifs forestiers et viticoles. Le taux de réduction pour ce type d'investissement est de 18%. Autrement dit, pour 10 000 euros investis, vous avez une réduction d'impôt de 1 800 euros. Pourquoi c'est intéressant? Car c'est un actif tangible. Il est très corrélé à l'inflation, c'est donc un actif résilient en période inflationniste. Vous allez ainsi pouvoir défiscaliser avec un risque complètement décorrélé des marchés financiers et très peu de volatilité. Pour ce type d'investissement, sachez qu'il y a des plafonds de versement. Les plafonds de versement sur ce type d'investissement sont de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple. L'économie d'impôt peut donc aller de 9 000 euros à 18 000 euros au maximum. Voilà pour les principales solutions de défiscalisation que vous pouvez envisager avant la fin de cette année 2024. Mais toutefois, si on prend un peu de recul, on peut réfléchir à des stratégies plus globales et envisager des solutions de non-fiscalisation ou même d'arbitrage du patrimoine actuel. Et parmi celles-ci, on peut retrouver notamment les enveloppes de capitalisation que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'assurance vie, le plan d'épargne en action, le contrat de capitalisation. En effet, avec ce type de solution, tant qu'il n'y a pas de retrait effectué sur le contrat, il n'y a pas de fiscalité. Par ailleurs, pour ceux qui possèdent d'un patrimoine immobilier qui génère des revenus locatifs, il peut être intéressant d'envisager un changement de statut fiscal. Il est peut-être plus avantageux pour vous de réfléchir à une location meublée plutôt qu'à une location nue pour bénéficier de l'effet des amortissements. Et encore une fois, avec une stratégie sur le long terme, d'autres options sont envisageables, notamment des investissements de type Malraux ou encore monument historique. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'optimisation fiscale est un levier pour développer votre patrimoine. Il ne doit pas être une fin en soi. Il faut bien définir vos objectifs, vos moyens, il n'y a pas de recette miracle, chaque cas est particulier. Il faut prendre le temps de bâtir une stratégie patrimoniale efficace et durable sur le long terme. Pensez à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous aider et vous orienter sur les bons investissements à réaliser pour vous et dans votre situation particulière. Pour encore mieux comprendre les solutions qu'on vient d'évoquer, on a fait des vidéos dédiées que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et pour améliorer vos connaissances financières, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochains formats.